Hey, salut à tous, c'est Exerve. On se retrouve aujourd'hui pour se parler de Biomutant, un jeu en monde ouvert annoncé il y a déjà un peu plus de 4 ans et qui sort enfin sur PS4, Xbox One et PC, en attendant peut-être d'éventuels patchs pour la nouvelle génération. Alors par souci de transparence avec vous, j'ai reçu le jeu dans un premier temps au tout début du mois de mai, un code dématérialisé sur PC, et aux alentours du 15 mai, l'éditeur THQ Nordic m'a fait parvenir une édition collector du jeu, j'avais mis une petite photo sur Twitter. À ce moment-là, j'avais déjà joué une vingtaine d'heures et mon avis était déjà quasiment définitif. Vous avez sans doute cliqué sur mon test de toute façon pour savoir ce que j'ai pensé de Biomutant, et même si on sent bien que le manque de finition du jeu à différents niveaux risque de diviser à la sortie, je trouve que le jeu a quand même quelques arguments qui pourraient vous plaire, à condition bien entendu de savoir où vous mettez les pieds, et justement, je suis là pour vous aider. Sachez que l'arbre de vie se meurt, que ses jours sont comptés. Sans assistance, il ne survivra pas au changement environnemental, ni aux attaques des mange-monde. Alors je pense que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, mais je trouve que c'est toujours un peu plus difficile de vous parler d'un jeu qu'on trouve bien sans plus, c'est-à-dire que c'est pas un grand jeu, c'est pas un mauvais jeu non plus, c'est un jeu qui est dans la moyenne, les avis un peu tièdes ça fait jamais bon ménage sur internet, et c'est pas évident en fait d'équilibrer le ton de la vidéo, j'ai peur de paraître trop enthousiaste ou alors trop dur on va dire, donc bref, vous me direz évidemment ce que vous en avez pensé après avoir vu le test. Concernant le spoil, pas d'inquiétude à avoir étant donné qu'il s'agit d'un jeu en monde ouvert, je vais me limiter à vous parler du pitch initial de l'histoire et vous montrer quelques zones et quelques combats du jeu au tout début. Comme je le disais un petit peu plus tôt, Biomutant a été annoncé en 2017, il a pris son temps et l'équipe a notamment communiqué sur cet aspect. Ils ont rappelé principalement qu'il s'agit d'un studio d'une vingtaine de personnes seulement et qui souhaitaient en fait éviter le crunch au maximum afin de ne pas se cramer en voulant sortir le jeu. Le truc c'est que parmi les gens derrière le studio qui s'appelle Experiment 101, il y a notamment des anciens qui étaient dans Avalanche, qui est un studio qui a travaillé notamment sur Mad Max ou encore Just Cause. Sachant cela, on n'est donc pas trop surpris de les voir s'attaquer à un nouvel open world, même si c'est dommage en général de voir des gens, on va dire des studios aussi modestes s'attaquer à des projets aussi ambitieux. Les open world, ça demande énormément de travail, énormément de moyens financiers et humains. Et c'est vrai que du coup, à l'arrivée, même si j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai passé même plutôt un bon moment, Biomutant, on sent bien que c'est un jeu avec une structure très classique, très basique pour un open world, et on sent également le manque de finition. Donc c'est dommage, puisqu'à côté de ça, il dispose d'un univers qui est suffisamment original et décalé pour intriguer et donner envie de le découvrir, surtout que sa plus grande force à mes yeux, c'est de chercher à plaire à toute la famille et particulièrement aux plus jeunes. Demande si vous êtes en forme, car il y a encore de la marche depuis le village. Votre moment sait que vous êtes là ? Et pour tout vous dire, en fait, je pense que je m'attendais à autre chose en lançant Biomutant. Enfin, je sais pas vraiment à quoi je m'attendais, pour tout vous dire, puisque en regardant les différents trailers, j'avais un peu de mal à cerner le projet, à bien comprendre les enjeux de l'histoire, de l'univers. Mais en fait, après avoir joué quelques heures, je me suis rendu à l'évidence, Biomutant ne va clairement pas être le jeu de l'année, mais il parvient en fait à réunir tous les éléments habituels d'un open world AAA dans un jeu qui est beaucoup plus modeste, le tout avec un gameplay qui fait le job sans plus, un certain humour et surtout des choix narratifs qui expliquent pourquoi je parle d'un jeu qui est pour toute la famille et particulièrement pour les plus jeunes. La tribu a attrapé un gros toutou. Attention, son nom est trompeur. Et là vraiment je me permets d'insister, ce n'est absolument pas péjoratif quand je dis ça, j'ai même tendance à regretter que bien souvent les jeux qui sont supposés être pour les enfants soient un peu dénigrés par une partie du public. Moi j'ai beaucoup d'affection pour tout un tas de jeux comme Ratchet & Clank par exemple, alors c'est vrai comme Yarif Tapart qui arrive bientôt, j'ai hâte justement de le découvrir, mais des jeux un peu plus anciens, je sais pas moi, les Sly Raccoon, les Mini Ninja, etc. C'est des jeux entre lesquels en général je m'amuse bien, c'est pas des grandes révolutions, mais on passe des bons moments, et je trouve ça cool en fait que Biomutant casse un petit peu la tendance actuelle des jeux pour adultes, avec souvent des AAA à la Assassin's Creed, à la GTA, à la Red Dead, etc. en voulant proposer la même expérience, mais accessible aux plus jeunes. Car non seulement on incarne une peluche qui tabasse d'autres peluches, mais tout l'univers en fait semble avoir été pensé comme une fable sur l'écologie, et évidemment le choix du mot fable a son importance, puisque à l'instar du jeu éponyme de Peter Molineux, on va constamment devoir choisir entre l'ombre et la lumière, qui sont représentées par deux petites bestioles volantes qui jouent le rôle de notre conscience. Donc en fait, dès l'intro de l'aventure, on va devoir choisir de s'orienter vers les ténèbres ou bien vers la lumière, et par la suite, on aura de nombreuses occasions dans les dialogues et dans nos actions pour enfoncer le clou et jusqu'à obtenir évidemment des fins qui vont être radicalement différentes. Pour vous, ce n'est pas qu'une intersection. Je me présente,
Je suis la lumière, ton côté clair, ta voix intérieure, plus précisément. Un écho de l'équilibre et des conséquences de tes actes. Ouais, je dirais plutôt que t'as pas grand-chose dans la tête. Mais tu finiras par changer d'avis. Alors c'est basique et c'est du déjà vu et ça donne en fait directement le ton. Biomutant, ce n'est pas un jeu qui se prend au sérieux malgré une histoire qui est en fait pas très fun dès qu'on commence à gratter sur la surface. En gros, pour vous présenter l'univers, après avoir définitivement bousillé la planète, l'humanité s'est enfin tirée dans l'espace dans des vaisseaux spatiaux et ils ont laissé la Terre aux animaux qui ont fini par muter à cause des radiations et devenir plus ou moins intelligents. Notre avatar à nous va évidemment devenir le personnage central de l'histoire et de tout ce monde-là et c'est à nous de décider s'il faut sauver ou bien détruire la planète pour en recommencer une nouvelle. Ils jetèrent tout dans des décharges jusqu'à ce que la place vienne à manquer. C'est alors qu'ils commirent la grande erreur. Parvenir à l'un ou l'autre résultat implique, vous vous en doutez, d'accomplir pas mal de quêtes. On va par exemple affronter ou non des créatures gigantesques qui cherchent à bouffer un arbre géant qui protège la nature, en gros. Mais il y a également toute une histoire de guerre de factions qui va opposer les différentes tribus du monde. Il y en a 6 en tout, et dès le début du jeu, on va nous proposer de nouer une alliance avec l'un ou l'autre camp afin de les aider à conquérir les autres camps, ou bien, et donc asseoir leur domination, ou bien à l'inverse, de pacifier tout le monde en essayant d'unifier les différentes tribus. La tribu Myriade cherche à comprendre le bien commun et respecte un code d'honneur. Et en marge de tout ça, étant donné qu'on est dans un jeu en monde ouvert assez standard, il y a des dizaines voire des centaines de quêtes annexes qui sont plus ou moins intéressantes, il y a des trucs à collectionner, il y a des monstres rares à combattre, il y a des villages qu'il va falloir aider, bref, c'est un peu la routine habituelle, et de ce côté-là, le jeu ressemble très exactement à l'image qu'on peut se faire d'un jeu en monde ouvert en 2021. Admirez bien ce spectacle, car il se fait rare. La faune est au bord de l'extinction, comme nous tous. Revoilà le carnivore. Rien ne semble pouvoir assouvir sa faim. Et si vous n'intervenez pas, cette biquette est condamnée. Et donc là où Biomutant arrive à tirer son épingle du jeu, c'est donc grâce à son univers, son histoire et la tonalité de celle-ci. Je suppose qu'au départ, c'était probablement par manque de moyens qu'ils ont fait ce choix-là, mais dans les faits, il n'y a que 3 voix dans l'intégralité du jeu. Il y a la mauvaise conscience, la bonne conscience et surtout le narrateur qui va vous accompagner constamment. Et quand je dis constamment, vraiment, c'est non-stop, il parle tout le temps. Et ce sont justement ces interventions intempestives qui m'ont fait comprendre que le jeu, en fait, est tout à fait adapté pour les enfants, puisqu'il essaye de faire des traits d'humour qui vont pas forcément marcher auprès des adultes, mais qui, à mon avis, devraient faire mouche chez les plus jeunes. Pas besoin de douche aujourd'hui. Pour les adultes, par contre, j'aurais tendance à vous conseiller assez tôt dans l'aventure d'aller dans les menus audio des options du jeu afin de réduire la fréquence des interventions du narrateur, voir si ça vous énerve de complètement les stopper. Attention tout de même, puisque paradoxalement, le narrateur me tapait un peu sur le système à force de parler, mais une fois qu'il n'était plus là, je me suis rendu compte que le jeu est assez vide du point de vue sonore et du coup c'est assez dommage. Donc ce que j'ai fait au final, c'est je crois que je l'ai mis aux alentours de 20% pour les interventions et ça faisait plutôt bien le job, il parlait pas trop souvent. Le soleil est haut dans le ciel. Donc pour résumer tout ce que je viens de dire, si je vous parle d'un jeu familial pour les enfants, et encore une fois j'insiste, c'est pas du tout péjoratif, c'est parce que le jeu a fait tout un tas de choix, et c'est vrai que quand on joue, il y a tout un tas d'indices qui nous expliquent tout ça. Évidemment, il y a des choix en termes de visuel, le fait qu'il y ait des onomatopées qui apparaissent comme ça, le nom des attaques qui sont assez improbables, le fait aussi qu'il y ait des blagues en permanence, le fait qu'il y ait tout un jargon qui a été inventé, on va pas parler d'une chasse d'eau, on va parler d'un chasse caca, ce genre de truc. On voit bien qu'il y a un humour comme ça, voilà, un petit peu enfantin, et du coup, je trouve ça assez surprenant de la part du studio, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de jeu, vraiment les open world en général c'est plutôt des jeux pour les grands, là c'est plutôt pour les plus jeunes, et du coup voilà, c'est ce qui distingue je pense Biomutant et qui pourrait vous plaire si c'est le genre d'expérience que vous cherchez. Je vais continuer d'avancer dans ma présentation du jeu, j'avais juste envie de dire un truc en fait, c'est que bien souvent je me suis rendu compte que j'aime bien ces jeux, vous savez ce qu'on appelle les double A ou les jeux A en fait, c'est des jeux qui n'ont pas un énorme budget mais qui essayent quand même de faire des trucs, même s'il y a un petit côté un peu cassé, j'ai toujours une certaine tendresse pour ces underdogs on va dire, et c'est vrai que Biomutant s'inscrit parfaitement dans cette tendance, le jeu ne ressemble absolument pas aux autres open world, notamment surtout le côté univers, le fait qu'on incarne des bestioles etc, et je trouve que c'est ça finalement sa force, car non seulement c'est plutôt original, mais d'un point de vue technique, c'est assez bluffant parce que vraiment, à aucun moment donné, on pourrait se dire quand on voit le jeu les premiers temps que c'est un jeu qui n'a été développé que par une vingtaine de personnes.
Car c'est vrai qu'au final, bah, je trouve que le jeu est plutôt joli, il y a des panoramas qui sont vraiment très réussis, j'ai même passé certains moments, alors il y a un mode photo, donc forcément vous vous en doutez, j'ai fait des petits clichés par-ci par-là, mais c'est vrai que l'ensemble de l'open world est plutôt bien pensé, j'ai trouvé qu'il était bien agencé, bien structuré, la disposition du contenu est plutôt équilibrée, il n'y a pas trop de choses, il n'y a pas d'endroit où c'est trop vide, c'est plutôt dans la moyenne, ça fonctionne bien, il va y avoir également des zones qui sont plutôt pensées pour l'exploration, puisqu'on ne pourra accéder à certains endroits que sous condition, que en ayant tel ou tel véhicule, puisque c'est vrai qu'une des forces du jeu, c'est de nous proposer, en plus des montures qui sont des biquettes au look parfois improbable, tout un tas de véhicules assez atypiques. On va pouvoir débloquer un jet ski, un robot, et il y a d'autres trucs qu'on va pouvoir débloquer tout au long de l'histoire. De continuer. Vous êtes sur le point de contempler le spectacle incroyable qu'offre la zone morte. On est également accompagné d'un petit criquet robot qui va pouvoir nous aider durant les combats ou bien qui va se transformer en deltaplane quand on saute. Alors c'est un peu la paravoile de Zelda, mais évidemment là il ne sera pas question d'escalader des trucs dans Biomutant. C'est un peu un des trucs que je regrette d'ailleurs, puisque bah, l'open world est plutôt cool, il est vraiment dans la moyenne en fait. C'est ça qui est rigolo, c'est que si vous avez déjà joué à un Assassin's Creed ou un open world récent, vous savez à quoi vous attendre avec Biomutant. Alors évidemment, quand je vous dis ça, ce côté un peu prévisible du jeu, ça va être une force comme une faiblesse. C'est-à-dire que ben, dans les quêtes, par exemple, il y a à boire et à manger, hein, comme dans tous les open world. Parfois, on va passer un bon moment, on va quand même découvrir quelques petites blagues, quelques petits mots qui font mouche. Mais assez souvent, malheureusement, on va enfiler son costume de livreur FedEx et on va aller du point A au point B pour ramasser des machins. Il y a pas mal de missions en fait, des quêtes principales j'ai trouvé qui étaient assez mal foutues à ce niveau-là. C'est souvent en fait on va parler à un PNJ, il va nous dire eh tiens j'ai oublié un truc à 20 km de là, vous allez y aller, vous allez lui ramener, ah oui mais maintenant il me faut un autre truc qui est à l'autre bout du monde, et ainsi de suite, 3-4 fois d'affilée, c'est dommage, parce que vraiment comme c'est la quête principale, c'est censé être un peu mieux écrit que le reste, et pourtant c'est souvent là j'ai trouvé que les missions étaient les moins intéressantes. Et donc j'aurais tendance à vous conseiller de jouer au jeu avec parcimonie et de ne pas hésiter à vous éloigner de la quête principale pour profiter un petit peu de ce que le monde a à vous offrir en termes d'exploration de quêtes annexes, pour profiter du coup du système de combat également, puisque bah, il est plutôt sympa, même si, voilà, encore une fois, il y a un petit manque de finition. Et surtout, ce que j'ai trouvé de très réussi dans le jeu, et qui à mon avis leur a demandé le plus de travail, et ça se sent, c'est la possibilité d'artisanat et de personnalisation de votre héros, car clairement, c'est le système qui est le plus abouti dans tout le jeu. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails de l'histoire, mais en gros notre personnage est l'héritier ou l'héritière de celle qui a inventé le Wung Fu, qui est en gros un art martial pour les peluches, et ce qui fait que notre avatar, bah voilà, c'est un combattant hors pair qui peut manier tout un tas d'armes différentes. Il y a des bâtons, il y a des épées, il y a des dagues, il y a des couteaux, il y a des marteaux à deux mains, il y a également le fait de pouvoir se battre à main nue, c'est pensé également, et il y a tout un tas d'armes à feu, ce qui fait qu'on a un arsenal assez varié. Et par-dessus le marché, on va également pouvoir débloquer au fur et à mesure des gains de niveau, des capacités de mutation, également quelques pouvoirs magiques. Alors quand le jeu avait été annoncé au départ, ils avaient beaucoup parlé de cette histoire de mutation, je pense qu'ils ont largement surestimé leur capacité à faire un système là-dessus, parce que bah, au final c'est juste quelques pouvoirs qu'on va débloquer. C'est plutôt sympa et c'est plutôt rigolo, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat si vous voulez. Ceci dit, avec tout ce panel d'action, j'ai trouvé que les combats sont quand même assez plaisants, sachant qu'on va pouvoir choisir sa classe au tout démarrage, lors de la création du personnage. Il y a différents bonus et traits, on va dire, passifs qui sont liés à ce choix initial, et par la suite, on va pouvoir débloquer librement toutes les différentes améliorations que l'on veut. Évidemment, il faudra gagner de l'XP, mais voilà, vous n'êtes pas limité par la suite. Donc on est quand même invité assez tôt à tirer profit du combat au corps à corps, du combat magique, du combat à distance, et de loin, il faut vous imaginer une espèce de Devil May Cry beaucoup plus approximatif et malheureusement beaucoup plus flottant. Et je vous cache pas que c'est un vrai regret que j'ai avec ce jeu, parce que bah moi je trouve que les combats sur le papier ils pourraient être très cool, mais ils manquent d'impact, ils manquent de finition, et souvent ça se résume en fait à marteler les touches, ça suffit, et ça donne un aussi bon résultat en faisant n'importe quoi qu'en essayant de faire gaffe à sortir de jolis combos. J'aurais du mal en fait à vous expliquer ça avec des mots, je pense que ça se voit quand même avec les images que j'ai pu choisir. Il y a ce côté, comme je dis, un peu flottant, un peu approximatif dans les contrôles, et moi avec les années, bah, je pense que vous le savez, je suis assez exigeant sur le gameplay et sur les, on va dire, les sensations de jeu. Et de ce point de vue-là, je trouve que le jeu est malheureusement un peu en retrait par rapport au standard actuel. Le seul avantage qu'on va avoir par contre à bien exploiter nos capacités, les combos, etc., c'est qu'on va pouvoir lancer une espèce de furie, ils appellent ça le super Wung Fu. Ça nous rend très très puissants pendant quelques secondes, mais là encore, on voit bien que c'est assez brouillon.
Ramasse tes dents. Et vraiment, c'est dommage parce qu'à côté de ça, ce que j'ai préféré avec Biomutant, c'était la chasse justement aux composants pour pouvoir me fabriquer de nouvelles armures, de nouvelles armes, des accessoires au look toujours très improbable. Parce qu'en fait, on peut ramasser vraiment tout ce qui nous passe sous la main et l'accrocher à notre tenue, à notre épaulette, sur nos genoux, etc. Et on va pouvoir du coup fabriquer des armes à partir de rien et ensuite les améliorer. Alors, si vous êtes allergique au loot à outrance, par contre, vous pouvez passer votre chemin direct car vraiment, on passe son temps à fouiller des poubelles et à ramasser des machins avec différentes couleurs, des objets légendaires, rares, magiques, etc. Mais à l'inverse, si ça vous plaît, bah vraiment, le système de création et de personnalisation des armes, il est super évolué, il est super avancé, on sent bien que c'est ce qui a demandé, je pense, le plus de boulot. Il y a énormément de possibilités de customisation, on peut fabriquer des centaines de types, des milliers d'armes probablement très différents, avec des looks improbables, on a des épées, des massues, des dagues, etc., je vous l'ai déjà dit. C'est très très cool, j'ai trouvé, de s'amuser à mélanger tout ça pour voir un peu le résultat, et je soupçonne d'ailleurs que les armes les plus puissantes du jeu ne peuvent pas se trouver dans une quête ou un coffre, mais ne peuvent être obtenues qu'après justement avoir fabriqué des trucs avec des composants légendaires. Bon, j'ai pas joué suffisamment pour tester tout ça, mais j'ai quand même réussi à me fabriquer un look un peu particulier, j'ai fait une espèce de cosplay de Jason dans Vendredi 13 qui me fait plutôt rigoler. Et justement, du côté de l'apparence de notre personnage, c'est pareil, j'ai trouvé que c'était très réussi, on a énormément de possibilités. Dès la création de notre perso, en fait, on va déterminer notre espèce, on va pouvoir, en gros, en choisissant nos différentes stats, modifier un petit peu notre apparence, et on va également pouvoir choisir la couleur de sa fourrure, mais plus tard, c'est surtout au niveau des vêtements, et vraiment des armures, que ça va devenir du grand n'importe quoi. Je pense pas trop exagérer en disant que notre ami poilu est une fashion victime, parce que vraiment, on va pouvoir ramasser tout ce qui nous passe sous la main pour s'en servir de chapeaux, de masques, d'épaulettes, de genouillères, des armures, etc. Si vous avez toujours rêvé de porter un masque de canard par-dessus un kimono façon maître Jedi, c'est possible dans Biomutant. Et de ce point de vue-là, c'est rigolo parce qu'il me rappelle en fait un petit peu Saints Row, et je me dis, si Saints Row était un jeu pour les enfants, il y a de grandes chances que ça ressemble à Biomutant. Sachant qu'en plus, le choix des armures n'est pas que au niveau des statistiques et du look, ça peut également nous servir à l'exploration, puisqu'il y a tout un tas de zones qui vont être empoisonnées, radioactives, gelées, etc., qui vont nous demander d'accomplir un certain nombre de quêtes annexes afin de débloquer une combinaison spéciale qui va nous permettre de nous y balader sans mourir au bout de quelques secondes, et du coup ça va nous débloquer d'un coup l'accès à de nombreux biomes qui ne sont jamais présents en fait dans la quête principale, donc c'est pour ça encore une fois que je vous disais que ça vaut le coup de s'éloigner justement des sentiers battus afin de découvrir tout ça. On approche déjà de la fin de la vidéo, et à l'arrivée, Biomutant, c'est pas un jeu qui va réinventer la roue, mais il s'avère être tout à fait honnête. Voilà, c'est vraiment le genre de choses. Si je mettais encore des notes aux jeux vidéo, je pense que c'est ça que je mettrais comme appréciation. C'est un jeu qui est honnête. Évidemment, il faut accepter son approche familiale de l'open world. C'est un genre qui, encore une fois, est habituellement réservé aux adultes, donc là, c'est un choix particulier de la part du studio. Je suis pas sûr qu'ils aient suffisamment communiqué sur ce truc-là en amont, donc j'ai peur qu'il y ait des gens qui soient déçus. Pour ma part, j'ai mis un peu plus d'une vingtaine d'heures pour voir le bout de l'histoire. La première fois, je me suis pas mal baladé à droite à gauche, et au final l'indicateur de progression de l'aventure globale me disait que j'avais parcouru 45% du contenu seulement, donc voilà, il y a de quoi faire vraiment en termes de contenu si vous accrochez à ce jeu. Et je trouve ça un petit peu triste si vous voulez, parce qu'au final, Biomutant, c'est un jeu qui, à mon avis, a un gros potentiel, mais qui n'est pas suffisamment exploité, tout simplement parce qu'on sent à tous les niveaux, ou trop souvent, malheureusement, qu'il y a un manque de finition qui est assez criant, vraiment, quand on se penche dans le gameplay, il y a des trucs qui sont difficiles à accepter. Et c'est dommage, parce que c'est un jeu qui est assez atypique, qui est assez original, et qui aurait pu, je pense, être beaucoup plus, mais voilà. Je suis toujours un petit peu dubitatif, si vous voulez, quand je vois qu'un studio assez modeste comme Experiment 101, on sent qu'ils ont une vraie expérience, encore une fois, l'open world est très bien avancé, très bien construit, le système de personnalisation il est top, etc. Enfin, il y a vraiment des choses où on sent qu'ils ont une certaine expérience et une certaine sensibilité du jeu vidéo, mais quand on est aussi peu nombreux derrière un projet, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'attaquer à créer une pyramide alors qu'on aurait pu faire un petit truc un peu plus modeste mais tout aussi joli et peut-être même plus réussi? Donc malheureusement ça on ne le saura jamais, mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage si vous voulez. En tout cas, je le redis une dernière fois, c'est vraiment un jeu qui est adapté pour les plus jeunes, c'est assez rare pour être signalé, je pense que ça va décevoir pas mal de monde, mais voilà, si vous êtes parents et que vous cherchez un jeu à faire avec vos enfants, pour jouer avec eux, pour les accompagner quand ils découvrent la lecture, etc., je pense que Biomutant peut tout à fait correspondre à ce genre de choses. Il a un univers coloré, il fait des appels du pied constants à la protection de la planète, à l'écologie, enfin, il y a ces blagues du narrateur un petit peu omniprésentes, etc. C'est clairement pour un public plus jeune, je pense, que j'aurais tendance à recommander ce jeu.
Et on arrive maintenant au mot de la fin, vous le savez, ou si vous le découvrez, c'est la partie où je un petit peu sans filet, où je parle de manière un peu plus informelle. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec ce test-là et que ça va vous permettre de savoir si ça va vous plaire ou non. J'étais un peu surpris, si vous voulez, de voir qu'il y avait autant de gens qui attendaient ce jeu. Je suis content de pouvoir sortir la vidéo juste avant la sortie. Ça vous permettra peut-être d'annuler votre précommande si jamais vous trouvez que ça va pas vous correspondre. J'espère en tout cas avoir réussi à justement vous montrer quels sont les arguments et les choses réussies du jeu, mais également ce qu'il n'est pas, si vous voulez, parce que j'ai peur que ça puisse en décevoir certains. Donc vraiment, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce test, parce que c'était assez difficile, encore une fois, comme je l'ai dit. Les jeux qui sont pas très bons ou très mauvais, c'est toujours plus difficile, je trouve, d'en parler. Et je vous avoue que j'étais pas forcément à l'aise. Comme d'habitude, merci beaucoup pour votre bienveillance, pour tous vos messages, pour tout votre accompagnement et votre soutien depuis toutes ces années. Il y a d'autres jeux qui arrivent bientôt, encore un jeu pour les enfants avec Ratchet qui, à mon avis, va être quelques crans au-dessus en termes de finition, ça a l'air vraiment incroyable ce jeu, donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler, et on se retrouve bien entendu, comme d'habitude, sur Twitch, sur YouTube, ou bien dans le podcast Fin du Game. Salut à tous, ciao.